chargé ennemi. La victoire est notre sort. Yeah.
Le combat chez l'ennemi. Oh.
À la force et à la valeur, les Eld et la duperie. Ce peuple ancien et amoindri n'accepte d'art, ont enfin localisé leur base cachée de Tyrea. La grande prophétesse Tal'dir a choisi la tromperie. En cela, elle a suivi les préceptes de son antique et traîtresse race. Ses forces étaient centrées sur une colline fortifiée d'une région glacée, désolée et escarpée, avec très peu d'accès. Pour couper ses points d'accès, la grande prophétesse a attiré des forces vers Tyrea. Des orques mécontents de la WAG, du Big Boss Gorguts, ont suivi les conseils murmurés par les archontes de Tal'dir et ont pris position là où ils protégeaient les Eldar des attaquants. Les Eldar ont néanmoins mis sur pied une force puissante. Des portails warp avancés leur ont permis d'acheminer des troupes du Wightship cachées derrière un holochamp, quelque part dans le système de Cronus. Mais ces portes constituaient aussi le principal point faible des Eldar. Si des attaquants parvenaient à s'en emparer,
Tal Dir serait privé de renfort et de tout espoir de fuite. Seul et en infériorité numérique, les Eldar seraient pris à leur propre piège. T'es prêt. Parfait, Exarque Rakanis. Amenez vos araignées spectrales sur leur position, puis retournez au temple Aspect. Nous sommes en route. Vous avez des doutes, Harlequin? Je me fie à votre vision, Tal Dir Dultoué. Mais me laisser entourer par des primitifs me met mal à l'aise. Je comprends votre dégoût. Mais les Eldar exploitent la vitesse et la discrétion. Les positions retranchées nous conviennent mal. Les orques, en revanche, sont d'excellents outils. Ils bloqueront les voies de ravitaillement et affaibliront nos vrais ennemis. Et si ces attaquants battent les orques? Je ne doute pas qu'ils triomphent de nos pions, mais cela leur coûtera cher. Et une fois qu'ils seront affaiblis, ils devront affronter la mort hurlante en personne. Le Conseil des Pressions a nommé le jeune roi. L'exarque Rakanis du Temple des Araignées Spectrales va se sacrifier pour réveiller notre plus puissant guerrier, l'Avatar de Ken. Personne n'échappera à ma colère. Pour moi, Nécron, et je t'attends. Vous acceptez enfin l'inévitable.
nous mordons, puis disparaissons. Y'a pas que des petits Eldar ici. On a bien fait de laisser tomber Gorguts. On va pouvoir se faire une wag à nous ici. Wag! Faudrait leur envoyer des Squigots! Non, on les laisse. Ces Squigots sont pas encore entraînés, et je veux pas retrouver des boules d'or coincées dans leurs pieds. Combat!
Une frappe rapide. On entre et on ressort. Gagner la base principale. Laissons donc nos ennemis s'entretuer. Étripez-les ! Étripez-les tous ! Au combat !
Détruisez ces monstruosités mécaniques et trouvez-moi la sorcière Xeno! Le bastion résiste, grande prophétesse, mais les portes warp nous reliant au vaisseau sont vulnérables. Notre voie est tracée dans ce cas. Protégez les portes à tout prix. Sans elles, nous ne pourrons jamais quitter ce monde. Nous devons repousser les attaquants. Ultoué ne cessera jamais de te combattre, Nécron. L'analyse de vos technologies est achevée, Eldar. Nous savons que vous ne pourrez pas quitter ce monde sans vos portails warp. Nous allons les prendre et purger ce monde de votre race. Cette saleté d'Eldar m'a eu. Nous avons encerclé les orques qui vous protégeaient dans les montagnes, Eldar. Et nous avons regroupé nos forces. Il est temps de mettre fin à vos tours. Thank you.
quatre serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. C'est impossible. La défaite du sorcier du Warp a permis à d'autres de nos guerriers de quitter les grottes Eldar. Chaque mort renforce notre purge. Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. Thank you.
autres serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. L'ennemi a pris une porte warp. Repoussez-le! Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence.
Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. Oh!
Portez le combat chez l'ennemi. Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. Thank you.
La moelle spectrale ne répondra jamais à votre appel, étranger. Repliez-vous! Serviteurs dispersés ont rejoint le combat. Rassemblez-vous afin de réduire les Eldar au silence. La toile nous est désormais fermée. Nous sommes piégés sur ce monde. L'avatar de Ken est tombé. Partez tous. Partez et cherchez refuge dans les étendues sauvages de ce monde. La fuite reste possible, grande prophétesse. Je ne mérite plus ce titre, Harlequin. Ma vision nous a tous perdus. Mon destin est ici, et en aucun cas, je ne le fuirai.
Les Eldar étaient venus sur Cronus dans le but spécifique d'affronter les Nécrons. La marche de l'armée immortelle vers Tyrea leur en fournit l'occasion. Malgré les visions de leur grande prophétesse, les Eldar ne parvinrent pas à enrayer la progression des Nécrons et succombèrent face à leurs armes. Les rêves du vaisseau monde Ultwe furent écrasés sous les talons de métal de ses antiques ennemis. Les Nécrons déployèrent beaucoup d'énergie afin de détruire les diverses structures de moelle spectrale laissées par les Eldar. Ce matériau surnaturel, censé émaner directement du Warp, semble avoir offensé les guerriers immortels plus encore que l'existence de la vie. Les minces flèches érigées par les Eldar s'effondrèrent sous les tirs des armes à fission et les lames Xéno les réduisirent à leurs éléments atomiques. Ce ne fut qu'une fois l'œuvre de la grande prophétesse Tal'Dir réduite à néant que les Nécrons reprirent leur route. À la fin de la croisade noire, Cronus était redevenu un monde tombeau. Tandis que les armées des Nécrons annihilaient tous leurs adversaires, d'autres systèmes s'occupaient de l'écosystème de la planète. Des essaims de scarabées stérilisaient les jungles du sud et les plaines fertiles du nord, et des impulsions d'énergie tuaient jusqu'aux bactéries. Les mers furent empoisonnées et l'air raréfié. Bientôt, la planète ne fut plus qu'un champ de sable et de poussière, parsemé de monuments noirs dédiés aux Nightbringer. Cronus devint le cœur noir de la purge menée par les Nécrons dans la partie est de la galaxie. Les guerriers sortis des monolithes de Cronus apportèrent la mort sur des mondes de l'Empire Tau, du domaine d'Ultramar et de bien d'autres secteurs. Des flottes de combat impérial, des groupements Tau et des déploiements Eldar tentèrent tous de reprendre Cronus, mais échouèrent face au vaisseau Crypt qui protégeait le monde tombeau depuis l'espace. Chacun de ces efforts héroïques ne fit qu'allonger la liste des victimes du Nightbringer.